Conservatives will obviously be ready if an election happens, but you know, in the middle of a pandemic, the only one who wants one is the Prime Minister, and it really is quite amazing that he would be willing to throw the country into an election during a pandemic just to cover up whatever he's covering up in the Wii scandal. So, well, we already have proposed amendments and would be happy to listen to any concerns. But if the concern is that this committee would cause an election, I think it shows the Liberals aren't actually interested in finding a solution. They just seem to want to go to an election. I don't know that why they would want to do that. I think they would need to explain why it is that some family members should not have questions asked about them. What are they hiding? Thanks. Nous, ce qu'on demande justement dans notre motion, c'est d'aller au fond des choses sur le scandale de We Charity, mais également celui-là. Et quand on voit qu'il est question de millions de dollars, voire même de milliards de dollars, c'est notre devoir comme parlementaire d'aller au fond des choses, de poser des questions et de savoir exactement comment les libéraux ont géré l'argent des fonds publics pendant la période de la pandémie. C'est notre travail. Et c'est une autre démonstration, une autre illustration que ce gouvernement-là veut cacher des choses et que nous, comme parlementaires, on a un devoir à faire, on a un travail à demander des questions au gouvernement. Et c'est pour ça qu'on a cette motion-là. D'ailleurs, notre motion, oui, parle de We Charity, mais on parle également de cette histoire-là. Donc, c'est un ensemble que l'on veut faire, un ensemble de vérifications que l'on doit faire. C'est notre travail de député, puis comptez sur nous, on va tout faire pour l'accomplir. Ce contrat-là, vous apparaît problématique? Absolument. La démonstration a été faite que c'était c'était beaucoup trop pour les besoins réels, et comme par hasard, ça tombe avec un ami du régime. Alors, s'ils n'ont rien à cacher, bien, qu'ils démontrent leur preuve, qu'ils mettent tous les documents sur la table, qu'ils aillent témoigner en comité pour dire « Regardez, il n'y a pas de problème ». Quand vous avez la conscience en paix, vous n'avez pas peur des questions. Et quand vous avez de quoi cacher, vous faites tout pour éviter d'avoir un comité parlementaire, comme M. Trudeau veut faire, et déclencher des élections. Pardon? Vous êtes prêt à y aller en élection? Mais, vous êtes une question au Canadien? Le seul qui veut aller en élection, c'est Justin Trudeau. Le seul qui veut paralyser le gouvernement, c'est en déclencher une élection avec M. Trudeau. C'est M. Trudeau qui veut déclencher une élection et paralyser le gouvernement pendant 3 mois de temps. Nous, on veut faire notre travail de parlementaire. Nous, on veut poser des questions au gouvernement. Et le gouvernement a le devoir de répondre à ces questions-là sur le scandale de We Charity ou encore sur cet autre scandale qui fait la une du journal ce matin. A compromise. Have you found a compromise about the government or the NDP? Well, obviously the phone is always open, and obviously we can. Sorry for that. Obviously, you know, the phone is always open. The vote will be after QP, so we will see what we can do. But the point is that it's very important for us to have a clear mandate with a clear committee. A committee will go deep in the questioning, deep in the reality of this government, and deep to have good question and have all the documents to do a good job as a parliamentarian. It's our duty to take the government for account. This is what the issue is all about with this motion. And what we see now is a prime minister who will do whatever it takes to call an election. The only Canadian who would like to have an election today is the prime minister. The only Canadian who would like to freeze the government for a few months is the prime minister by calling an election. We are here to do our job, and I can tell you, we will continue on. Has anything changed in the... On a, vous comprenez que des discussions hors micro ne se passent hors micro. Et donc, le téléphone est toujours ouvert. Je ne vous donnerai aucun commentaire là-dessus, bien entendu. Écoutez, on se parle tout le temps. Puis justement, parce qu'on continue à se parler tout le temps, on garde ça entre nous, puis on garde ça entre nous. Sorry for that. Well, as I said, you know, the phone is always open. The discussion is always on. But the point is that if we want to keep that spirit, if we want to keep that framework of having confidence, talking to each other, we will not do it publicly. So you haven't been talking. Like the phone is always on my table. The phone is always on my table, ready to speak to everybody. But based on the fact that we have the confidential discussion with our counterpart, we will keep it confidential. Mais moi, je n'ai pas quitté mon comté en fin de semaine en arrivant à Ottawa en disant « Youpi, on va aller en élection ». C'est pas ça l'idée. L'idée, nous, c'est de faire notre travail de parlementaire et de poser des questions au gouvernement par un comité qui va étudier le scandale de We Charity et tous les autres scandales comme celui qu'on a à la une journal ce matin. Nous, ce qu'on veut, c'est faire notre travail. Le seul qui veut des élections, c'est M. Trudeau.
En 152 ans de vie parlementaire, jamais le Canada n'a été confronté à un vote de confiance pour la création d'un comité de parlementaires qui veulent poser des questions au gouvernement sur la gestion des fonds publics. Il y a juste Justin Trudeau qui a inventé ça. Il y a juste Justin Trudeau qui était prêt et qui est prêt à aller en élection et donc de stopper tout travail parlementaire et tout travail gouvernemental pendant 3 mois de temps. Qu'ils fassent leur travail. I don't know. We'll see. If it is, then so be it. Well, we obviously didn't know how the bill would be interpreted or how the motion would be interpreted, but it's a worthwhile motion, and if they want to turn it into a confidence motion, then so be it. But I think it's a worthwhile motion. We need to see what's been going on, who's been enriched, and for what reasons. And it doesn't need to be a confidence motion, but it's something that we need to do. Well, that's the question you need to be talking to the Liberals about. They're making it a confidence motion. Doesn't have to be. That's their call. So, anyways, thank you. Appreciate it. Bien, premièrement, c'est de donner un contrat sans appel d'offres. 237 millions, il faut voir le chiffre aussi. On parle de 237 millions de dollars à un ancien député libéral, alors que lui, normalement, avait des règles de procédure en tant qu'ancien député, n'aurait pas dû avoir accès à un contrat comme ça. On passe par un contact en Ontario qui crée une compagnie au mois de mars. 7 jours après, le contrat est octroyé à cette compagnie-là qui n'existait même pas. L'individu en question, Jameson, c'est quelqu'un qui fait des freins pour auto. Donc, c'est vraiment le lien très facile à voir qui ont créé une compagnie pour avoir un contrat à Frank Bayliss de 237 millions de dollars. Et en plus, le pire, c'est que les ventilateurs sont payés le double du prix de ce que ça coûte normalement. Donc, on parle d'un profit d'au-dessus de 100 millions. Voilà. Bien, quand on parle de corruption, c'est ça de la corruption. La corruption, c'est différent, il y a des définitions de la corruption et d'avoir des facilités à faire avoir des avantages à des gens d'une façon quelconque, c'est ça de la corruption. Des fois, on a l'impression que c'est beaucoup plus grave, mais c'est aussi simple que ça, dans le fond, la façon de faire. Et c'est tellement simple, ça prend pas une enquête des services secrets pour voir qu'un gars crée une compagnie pour donner le contrat à l'ami du Parti libéral. Alors, c'est comme une évidence. I'm sorry. I'm sorry, I don't understand with your mask. Sorry. That company is delivering a few hundred ventilators a week now. It's been approved by Health Canada. Yeah, now. But they receive a contract. They receive, but along than almost any of the other companies. But they receive a contract, $237 million, okay, given to a guy who was not involved in that kind of... it was not a medical company. Right. It's a break parts. I know, I know that. But the point is, Frank Bayliss. Frank Bayliss, a former Liberal MP. Right. He was sitting at that House 1 year ago, okay? And he received a $237 million contract. We don't have any question to ask. It's crazy. So, and the worst, we paid the double of the price. It's instead of the $10,000, it's $23,000 each ventilator. So why we have to spend the double? It's more than $100 million for nothing. Wait. Wait. Ben écoutez, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre actuellement du gouvernement libéral. Quand on parle de corruption, qu'on veut faire un comité pour faire l'analyse, on avait We Charity qui était très grave. Et là, on avait même dans notre motion mis Frank Bayliss parce qu'on savait qu'il y avait un problème. Puis l'article de ce matin qu'on voit dans le Journal de Montréal confirme que c'est très grave. On a octroyé un contrat de 237 millions à un ancien député libéral par l'intermédiaire d'un autre contact qui a créé une compagnie au mois de mars pour arriver à donner un contrat de 237 millions qui se révèle être le double du prix qu'on devrait payer pour des appareils. Oui, on a besoin de ventilateurs, mais est-ce qu'on a à payer plus de 100 millions en trop pour ces ventilateurs? Non, surtout à un ami du Parti libéral. Donc, tous les liens se font et c'est toujours une question de copinage, d'amis qui reçoivent des contrats comme ça. À un moment donné, c'est pour ça qu'on avait notre motion de vouloir créer un comité
pour aller, et j'espère qu'on va voter pour ce soir, mais c'est ce qu'on veut, faire la lumière sur ces histoires-là. Ça justifie d'aller en élection, selon vous? Non, on ne veut pas aller en élection. Ce qu'on veut, c'est un comité, mais M. Trudeau ne veut pas aller au fond des choses. M. Trudeau, on voit, ce matin, on voit sur la page couverture du Journal de Montréal une photo de M. Trudeau, M. Bélis, on voit l'article de M. Richer qui donne les détails. Donc, c'est clair qu'il y a des problèmes de corruption, c'est clair qu'il y a des avantages et des amis, puis là, on ne parle pas de quelques milliers de dollars, on parle de centaines de millions de dollars, c'est incroyable. Mais est-ce qu'on va à l'élection? Non, on sait qu'on doit gérer la pandémie, mais en même temps, est-ce qu'on veut faire la lumière sur ces choses-là? Oui, mais c'est pour ça que M. Trudeau joue le jeu politique de vouloir déclencher une élection, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse la lumière sur ces histoires. Je laisse au NPD de prendre ses décisions, là. Je veux dire, à leur place, je comprends qu'ils ne sont pas en mesure de faire une élection. On ne veut pas faire l'élection, mais en même temps, ils doivent supporter les efforts du Parti conservateur et du Bloc québécois de vouloir aller au fond des choses. Donc, c'est à eux de négocier ce qu'ils veulent, mais on doit trouver une façon de faire la lumière. Merci.